Y aura-t-il un enlèvement? Trompette d'appel de Dieu. Un jour dans le Seigneur. 28 avril 2005. De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur. Encore une fois, je vous le dis. Un jour dans le Seigneur est comme 1000 ans. Et par ailleurs, le moment arrive où un jour sera une année et une semaine sera 7 années. En revanche, personne ne connaît la durée du jour du Seigneur, car il demeure dans le conseil de ma propre volonté. Cependant, pour ceux qui échappent, un jour vient où le temps n'a plus de sens, car être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Et voici, cela se produira à coup sûr, en un instant, en un clin d'œil, l'un sera pris et l'autre laissé. Car ils seront partagés en deux lots dans le monde. Un mécontent, mais plein d'une joyeuse espérance, et l'autre content, mais rempli d'un grand vide. Le mécontent sera enlevé, et sa joie sera accomplie. L'autre, laissé dans un amer chagrin, des lamentations, et de grands sanglots. Pourtant, ne soyez pas affligés pour ceux qui restent, car il leur suffit de s'humilier devant le Seigneur et se repentir, et alors ils demeureront eux aussi à la droite du Père. Car ainsi déclare le Seigneur. En effet, je déroberai le monde de ceux qui ne sont pas du monde. Je les arracherai certainement. Chaque chandelier et tous les purs de cœur seront enlevés. Je suis le Seigneur. Mais ce que le monde y perdra deviendra un gain pour ceux qui recevront la compréhension et la repentance. Pour tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur dans la sincérité et en vérité. Voici, en ce jour-là, beaucoup verront les anges du ciel monter et descendre autour du Fils de l'homme, dit le Seigneur. Tout comme Dieu a trois aspects, tous formant un, ainsi en est-il de la venue du Fils de l'homme. 7 octobre 2005. De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur. Si le Fils de l'homme vient sur les nuées des cieux avec une grande puissance, et une grande gloire, et que tout œil doit le voir, comment par ailleurs vient-il comme un voleur? Ici est la sagesse. Le Fils de l'homme vient à un jour et une heure inconnus, pour dérober la maison de l'homme fort, et ce qui appartient au Seigneur sera pris, et ce qui est de l'homme fort sera laissé. Car le Fils de l'homme vient d'abord en tant qu'esprit répandu sur les nations, pour exhorter ses élus. Voici, il traversera les multitudes et examinera en profondeur le cœur de chaque vaisseau et les regroupera. Et un jour que personne ne connaît, à une heure que nul ne peut prédire, le Fils de l'homme viendra comme un voleur et les dérobera.
Alors l'impie sera révélé, celui que le Seigneur consumera avec le souffle de sa bouche et détruira avec l'éclat éblouissant de sa venue, comme il est écrit, Je suis le Seigneur. J'ôterai mes ouailles. 7 octobre 2005, de la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée, pour les églises des hommes et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur. Église des hommes, vous tordez constamment les Écritures. Vous ne cessez d'ajouter et de soustraire à la parole de Dieu, tout en restant fermement sur vos fondations fissurées, posées par vos ancêtres. Fondation sur fondation à travers vos générations, construites de plus en plus haut, selon la fierté et la vanité des hommes, une arrogance qui n'a pas d'égal. Combien de temps encore allez-vous vous dresser contre moi? Combien de temps encore allez-vous pervertir la vérité? Église des hommes, mentirai-je à mes prophètes en leur donnant un faux témoignage? Ou bien pensez-vous que j'ai cessé de faire connaître mes plans et que j'ai complètement renoncé à les envoyer? Certainement pas, car je suis le Seigneur et je ne change pas. Par conséquent, que toute fondation fissurée s'écroule et que chacune de ces maisons tombe avec grand fracas. Que la gloire de l'homme soit inversée, jusqu'à ce que l'orgueil de l'homme soit abattu et que l'arrogance de l'homme soit totalement humiliée. Car le Seigneur seul sera exalté en ce jour-là, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, humiliez-vous, ô Église d'arrogance, et priez pour que vous ne soyez pas laissés debout sur la terre dans le désarroi, le jour où je vais rassembler mes précieux enfants et dérober mes élus, ceux jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, les premiers à se tenir en présence du Fils de l'homme, les premiers à être protégés de ma fureur. Voici. Les anges du ciel monteront et descendront autour du Fils de l'homme jusqu'à ce que la moisson soit achevée. Par conséquent, encore une fois, je vous le dis, humiliez-vous, car la fierté a aveuglé vos yeux et l'arrogance a bloqué vos oreilles. Repentez-vous et priez le double pour ceux que vous avez écartés de la vérité. Car vous prêchez et enseignez au nom d'un autre Messie, un faux Christ qui ne ressemble en rien à moi, une image modelée que vous avez façonnée pour l'adapter à vos propres doctrines perverses et traditions immondes, polluant mon nom et ma gloire, tandis que vous continuez à déformer et diviser ma parole pour votre plus grand mal. Par conséquent, bénis sont ceux qui sortent d'entre eux. Bénis sont ceux qui obéissent à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bénis sont ceux qui font confiance au Fils de Dieu, s'efforçant toujours de marcher dans ses voies et de garder ses commandements, car ils seront certainement ôtés de cet endroit. En revanche, malheur à ceux qui détestent le Fils, malheur à tous ceux qui se détournent du chemin, car la colère de Dieu reste sur eux, dit le Seigneur.
Les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis un événement terrible et inédit. Trompette d'appel de Dieu. De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur délivrée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur. Voici, je suis descendu. Oui, je suis là. Je suis descendu pour habiter dans mes enfants choisis et pour délivrer mes élus, même chaque agneau. Car je suis le Seigneur et ma jalousie est arrivée à son comble. Je ne tolérerai plus toute cette injustice et ces meurtres, toutes ces abominations, toutes ces perversions. Je ne supporterai plus toutes ces persécutions, même de la part de mon propre peuple qui pollue mon nom jour et nuit, sans cesse. Car je me tiendrai au-dessus de la terre dans mon intense colère, et je rémunérerai. Et je défendrai mes élus, et protégerai les faibles et les nécessiteux, et la cause de la veuve sera accomplie dans sa délivrance. Car je suis le Seigneur et Dieu, celui qui délivre. Oui, je le suis. Voici, regardez. Car le Seigneur, votre Dieu, fera une chose inédite et terrible, une stupéfaction, un grand prodige, encore jamais vu par les gens de ce monde. Les visages de la multitude pâliront, les cœurs de beaucoup défailliront de peur. Beaucoup s'effondreront, recueillant le pessimisme à cause de ce qui se passera sous leurs yeux. Le fabuleux et prodigieux pouvoir de l'Éternel votre Dieu, visible de tous. Car qui peut entraver sa venue? Qui ne s'effondrera au son de sa voix? Ainsi dit le Seigneur. Il est temps. Ma main descendra. Voici. Elle plongera dans la terre. Elle traversera chaque tombe et chaque mausolée, passera au travers de chaque tombeau. Voici. Ma main passera à travers la poussière et tamisera les sables du désert. Jusque dans les profondeurs de la mer, ma main saisira, et la terre entière abandonnera ses morts. Tout enfant de Dieu, tout serviteur du Très-Haut, toute brebis bien-aimée du pasteur. Alors, je me tournerai vers la multitude et la traverserai. Voici, je passerai au travers et les enlèverai. Tous les bébés dans l'utérus, les enfants de chaque coin et mes élus de toutes les nations. Le monde sera laissé complètement dévasté et en larmes. De très profonds chagrins atteindront toutes les nations. Voici. Un cri d'indignation s'élèvera, tel que jamais entendu auparavant. Beaucoup de pleurs et de lamentations, de colère et de poings brandis. Un terrible grincement de dents. Oui. Parmi toutes les tribus,
les peuples et les nations, un grand chahut sera entendu. Pendant 3 jours complets, il ne se calmera pas. Et pendant 3 nuits pleines, il ne faiblira pas. Ainsi, leur première récompense sera-t-elle distribuée, car ils s'en sont montrés pleinement dignes. Alors, ils sauront que je suis le Seigneur. Et ainsi commencera le grand et terrible jour du Seigneur. Voici la colère de l'agneau. Je scrute les cœurs et les esprits. 27 juillet 2009. De la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée, pour une sœur en Christ et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Timothée a posé cette question pour une sœur en Christ. Seigneur, est-ce que tu viens seulement pour ceux qui te cherchent? Ainsi dit le Seigneur Yahushua. Ta question trouve sa réponse en ceci. Je connais les miens. Donc, je viens pour ceux qui sont à moi, tous ceux en qui je vois de moi, et pour tous les petits-enfants qui demeurent encore dans leur innocence, pour tous ceux qui restent sans reproche. Car ceux qui reçoivent de moi avec sincérité et en vérité regardent toujours vers l'espoir béni, leur cœur rempli d'attentes joyeuses. Car ils ont été réveillés à la vérité et ont hâte de me connaître tel que je suis véritablement. En revanche, il y en a beaucoup qui disent qu'ils m'aiment et qui pourtant ne marchent pas dans mes voies. Car ils résistent toujours à la vérité, se détournant même de ceux que je leur envoie. Ceux-ci subiront une grande perte. Néanmoins, eux aussi seront délivrés, mais comme en traversant le feu, comme il est écrit. Car ceux qui se cramponnent au voile refusent de discerner et ne veulent pas non plus être corrigés. Ils se sont complètement égarés et restent à l'aise dans leur sommeil. En effet, leur propre arrogance les a trompés et, à cause de leur orgueil, ils sont tenus captifs, liés par des cordes de doctrine issues de l'homme, piégés par une tradition immonde qu'ils ont acceptée avec joie, marchant toujours dans les commandements des hommes. Ainsi, ils doivent être laissés pour être raffinés, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés et rendus blancs. Une grande leçon d'humilité dans le jour du Seigneur. Néanmoins, même parmi les églises des hommes, il y a un trésor caché, quelques-uns sélectionnés qui s'échapperont, des gens humbles et pénitents et dont le cœur parle vrai en dépit de leur erreur. Je suis le Seigneur. Moi seul scrute les cœurs et les esprits et sais s'ils sont de la première ou de la seconde. Je connais les miens.